Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce premier épisode de UHC Random. Alors mesdames et messieurs, qu'est-ce que c'est que UHC Random? Tout simplement, vous avez pu le voir déjà sur la chaîne de Sifano ou bien sur la mienne. On avait testé un datapack qui permettait de mélanger les ID des items dans Minecraft et quand tu cassais un bloc, tu avais autre chose à la place. Et c'était tout à fait aléatoire. Random égale aléatoire, voilà, c'est la traduction au cas où vous n'avez pas compris. Et donc en gros, Sifano a décidé de faire un UHC, donc on est avec plein de copains. Et je peux vous dire que ça va être très fun. Alors, je fais une petite intro comme ça en facecam avant que la série commence, parce que pour vous dire voilà, que sur les séries PVP, je vais essayer de faire un petit peu plus de montage, de condenser un petit peu plus les choses. Il y a des moments qui sont assez longs, surtout que là, on est en solo. Et donc, en tout cas, pour cette série, voilà, ce sera un petit peu plus condensé. Et je vous ferai un sort de petit récap de l'épisode d'avant, avant chaque épisode. Bon, là, il n'y a rien à vous expliquer, il n'y a pas d'épisode avant. Donc voilà, je fais une petite intro. Je vais vous laisser avec Sifano qui va expliquer les règles. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle série Minecraft. Je suis en compagnie de beaucoup de gens. Bonjour tout le monde. Bonjour. On a beaucoup de monde. Je vous laisse voir les pseudos dans le tab. Il y a vraiment beaucoup de monde. On est 24 si je ne dis pas de bêtises. Et bienvenue pour un UHC random. C'est un truc qui a été beaucoup réclamé depuis que le petit truc du random est arrivé. On est beaucoup de joueurs et les amis, ça va être un UHC qui va être assez sympathique où tout va être randomisé. On sera en solo et donc le but ça va être bien d'être le dernier survivant et de gagner. Et quand je dis que tout sera randomisé, eh bien ce sera au niveau des loots puisque lorsqu'on cassera eh bien par exemple un bloc de terre, ça pourra nous donner du diamant, du bois ou plein d'autres choses. Bref, voilà, donc en gros tout ce que vous avez l'habitude de faire, eh bien ça va changer les amis. Vous allez je sais pas dans quel stuff on va arriver à la fin, ça va être rigolo de voir ça. Bien évidemment, vous pouvez absolument tout faire, vous pouvez aller dans le Nether, dans l'Inde, même si vous pouvez. Les popos de niveau 2 sont interdites, les pommes de notch aussi. Et évidemment, le stuff que vous dropperez par terre, vous pourrez, selon le recasser. Mais très important, si vous avez un item avec écrit claim dans votre inventaire, ça c'est très important, vous ne pourrez plus le re-randomiser. Voilà un petit peu pour les règles de base. Après, c'est un UHC totalement classique. J'étais en mute depuis le début. Mais je t'envoie un message pour te le dire, Nems. Putain. J'étais en mute. Si, on s'était muté sur notre série. Ah, mais pour Nems. Ah là là, vous voulez que je la refasse? Bah les couilles, je s'en fous de lui. Juste pour Nems. Bonjour, UHC random. Tout ce que tu drops, c'est différent d'habitude. Merci, tue tout le monde, gagne. Ah, ça c'est vrai comme intro, ça. Allez, on y va. Ils vont tous garder celle-là en fait. Alors important, vous aurez un stuff de base au cas où, hein, vous aurez de la bouffe au départ et une épée et une pioche en pierre au cas où les débuts sont difficiles, hein, parce que selon ce que vous allez drop, on va un petit peu galérer au début. Voilà en gros. Allez, au revoir. Adieu. Mourez bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Random UHC, le pire UHC que vous verrez dans votre vie. Alors, on va voir à quel sens on va être mangé, mesdames et messieurs. Parce que voilà, comme on vous l'a expliqué, comme vous avez sûrement dû voir la petite... Quoi? Alors déjà, niveau bouffe, on est bien. Niveau bouffe, on est très bien. MDR, c'est trop bien. C'est trop bien, ok. Donc on commence. Hein. Si vous n'avez pas vu encore du UHC, pas de random en règle générale, vous... Putain, le pire truc, regardez-moi ça. Il est claimed, du coup ça, on peut pas le... Ah si, on peut le random. Oh merde. Oh, on peut encore le random. Alors, on va voir si ça donne tous les items dorés ou pas. Tac. Ok, ça donne que des pioches. Bon, les pioches en or, en soi, c'est pas trop mal. Ça permet de miner plutôt vite. On va essayer de faire les choses bien. Ok, ça donne des en bois. Mais please, le pire random. Ça commence très mal, hein. Ça commence très très mal. Très bien, on va voir un petit peu ce que ça donne au fur et à mesure. Mais je pense que ça va être très drôle, hein, voilà. Bon, je vous le dis tout de suite. Je l'ai sûrement dit un petit peu dans la petite intro que je vous ai fait facecam. Mais cette série, j'ai décidé de la condenser un petit peu, d'éviter de que ce soit trop long. Il y aura beaucoup de... Oh my god! Oh mon dieu! Les gars, on est masse pommes d'or. Il va falloir farmer les pommes d'or, il faut farmer les moutons. Alors vraiment, si le mouton noir donne la même chose... Alors le mouton noir ne donne pas la même chose, apparemment. Donc ça nous donne... empty map, alors on s'en bat les couilles. Ça nous donne un gâteau, ça peut servir. On a déjà eu une pomme d'or. En soi, les moutons blancs, c'est la vie. Mouton blanc, ça donne pomme d'or, les gars. Mouton blanc, là. Go, mouton blanc. Ah, mais what?
Mais c'est trop bien, c'est trop bien. Donc là, il va falloir trouver des blogs, il va falloir trouver de quoi faire des choses, hein, vous inquiétez pas. On va essayer de découvrir au fur et à mesure. Voilà, super, une porte. La porte qu'on va aller casser, bien sûr. Mais je pense que ça va être trop bien. Moi, j'adore, vous savez que j'adore le concept du random, j'en ai fait beaucoup en stream. Ok, super, ça donne ça. Mais ça, du coup, je suppose que ça donne la même chose que l'autre. Très bien. Extraordinaire. Parce que oui, du coup, la grâce et la terre, vu qu'elles donnent le même loot. En fait, c'est le loot qui est random et non pas le bloc que tu casses, hein, contrairement aux versions qu'on a pu faire en 1.14 ou quoi. Donc voilà, je sais pas de quoi il parle. Laissez border, j'ai cru comprendre. Attendez quoi? Auré-dou? What the fuck? Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, quelqu'un qui a déjà perdu des cœurs? Je sais pas. Bon, en tout cas, nous, au niveau cœur, on se fait pas trop de soucis. On a masse pomme d'or, en vrai. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? J'ai pas suivi du tout. On continue. C'est quoi le problème? Tuer un mouton blanc vite fait. Ah bah non, c'est le random, hein, c'est comme ça, hein, les gars. En vrai, je comprends pas pourquoi ils prennent la tête. Hein. Le random, c'est ça. Hein. Bon, du coup, ça donne que des empty maps. Ça, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Est-ce qu'on a fait ce bois? Je ne sais pas. On va voir. Est-ce qu'on l'avait fait? Ouais, on l'avait fait, c'est cette merde-là. Ok, ballons-nous. On va voir s'il y a d'autres choses. Ah. Ça, bah, en vrai, on a de la chance parce que là, on a des blocs qu'on croisera pas partout. Ce qui donne de la glowstone et ce qui donne des slabs comme ça, qui donne de la brique. Bah super, c'est de la merde. Du coup, faut bien tout explorer et ça, c'est très chiant, bien sûr. Oh, du mycélium. Waouh. Hop, très bien. Ah, ça, du coup, le mycélium donne aussi... voilà. Alors, du coup, on entend quelqu'un. C'est bien chiant. Ok, du coup, le mycélium, c'est la même chose. Ça donne des pots extraordinaires. Les pots, ça donne quoi? Ça donne du cactus. Cactus qu'on peut poser uniquement sur le sable. On le testera après. D'ailleurs, on va garder les... En vrai, les pioches en or, c'est de la merde. Mais ça mine vite. Ok, du bois. Du bois, les gars. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon d'avoir du bois. Donc, on va prendre un petit peu tout ce qu'on peut trouver là au niveau du... Au niveau des... du charbon à l'extérieur. Comme ça, ça nous fait un petit stock de bois. Comme ça, on est tranquille, les gars. On va d'ailleurs casser le bois comme ça. Pour voir ce que ça donne. Et aussi casser les planches. Ah oui, mais non, ça, on l'avait déjà fait. C'est les planches qu'il faut casser. Ça va être compliqué. Ok, ça donne des petits murets. Et les petits murets qui donnent... Les gars, on a les potions. Attendez, mais c'était quoi qui... Merde, j'ai oublié le... C'est quoi qui m'a donné... Ah, c'est les planches. Oh, tellement pété, en vrai. En vrai, c'est tellement pété. Du coup, on fait ça, on va faire ça, on va faire ça, on va se faire une petite hache vite fait pour casser un petit peu plus vite, du coup, les planches qu'on va pouvoir... Voilà, on va s'en faire quelques-unes de Blaze Rod et on va se les garder. En vrai, c'est pas mal. En vrai, on a un bon random, là. On a trouvé un bon truc dans le random. Si tout le monde ne pense pas à tester ça, bah, ils auront peut-être pas les potions. Et du coup, on a le droit aux potions force 1, par exemple. Donc, en vrai, ça va. En gros, là, il nous manque à avoir les Netherwart et de la Cobble. En vrai, et on a les potions, en vrai. En vrai, ça va. On va jeter ça. On va reprendre du... Ouais, on prend les trucs tranquillou. Alors, je viens de capter qu'on n'a pas testé la table de craft. Qu'est-ce que nous donne la table de craft? C'est quoi? Ça, on s'en fout. Du coup, on s'en fout. Ça, très clairement, on va continuer de se balader. Alors, l'avantage, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'aller en grotte. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un stack de... Attendez, on va se faire un petit stack de carottes comme ça. Je pense que ça peut être bien pour la gang, comme ça on est sûr d'avoir de la bouffe et surtout que la saturation avec ça est géniale, donc profitons-en. Et voilà quoi, on n'a pas de soucis quoi. Ok, du gravier, on n'avait pas testé le gravier qui nous donne... MDR, ça me donne ça. En vrai, ça le problème, je pense que c'est une entité, du coup le random va pas fonctionner dessus. Ouais, bon c'est de la merde. Hein. On va essayer d'explorer d'autres trucs. Ah bah ça d'ailleurs. Ça, on n'avait pas testé. Ça nous donne quoi? Ok, ça nous donne une feuille et on peut pas la récupérer si on n'a pas ce qu'on demande. Ah, les vaches! Les vaches qui nous donnent bah, de la laine. De la laine qu'on n'a pas testée. Laine qui donne aussi de la pomme d'or, bien sûr, du coup. Farmons les vaches aussi. Autant... Hop. Surtout qu'on a, on a masse hache. En vrai, ça peut, bah, sur le long terme, ça peut nous servir, quoi. Du coup, voilà. Hop. Et comme ça, on se prend quelques pommes d'or. Hein. N'ayons pas peur. D'avoir de manger les bonnes choses. Je vais même en profiter pour tuer quelques moutons encore dès qu'on en croise. En vrai, c'est pas plus mal. Alors, là, on a différents trucs à tester. Voyons voir ce qu'on peut avoir là. Nous avons un piston, mesdames et messieurs. Le piston qui nous donne du grès. La sandstone, pardon, qui nous donne un ça. Alors ça, on peut le poser. Voilà, qui va nous donner du quartz. Qui nous donne du verre. Et malheureusement, le verre, vu qu'on n'a pas Slick Touch, on peut pas le récupérer. Ok, c'est une boucle sans fin. Très bien. Ah, cochon. On va voir le cochon. Cochon qui nous donne des mushrooms. Le mushroom, malheureusement, on ne peut pas tester. Ah ouais, attendez, le sable. Attendez, je veux pas récupérer cette merde. Le sable, il faut tester ça. Ah, on peut pas le poser. Genre, on peut pas poser le... Ah si, là. Et ça redonne forcément la même chose. Étrange. Ah bah, le sable, il faut tester. Des armures en or pour chevaux. Très bien, ok. Ah, la fleur forest, en vrai, ça peut nous être vachement utile, parce qu'il y a masse fleurs, et les fleurs peuvent nous... Ok, alors ça, vous allez voir. Pourquoi je vais les garder, et pas forcément craft quoi que ce soit avec? Parce que ça nous permettrait de faire du stuff, déjà. Ça nous permettrait de faire du stuff. Alors, on est d'accord que les... comment ça s'appelle? Les... Pommes de notch sont désactivées, j'ai eu du mal.
Donc là, prenons les blocs d'or. Comme ça, on peut se faire un début de stuff, vous voyez, histoire d'être protégé un minimum, même si c'est de la merde. C'est notre premier truc qu'on peut avoir mieux que qu'avoir rien du tout, en fait. Parce que rien du tout, on a actuellement rien du tout. Ok, du coup, passons tout ça en or. Pour l'instant, on va, hop, se reposer une petite tête de craft. On va se faire un petit stuff. Hop, hop, hop. Excellent, voilà, le petit stuff en or. Excellent. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à tester? Bah, c'est ça qui nous donnait les Golden Axe. Du coup, on va en prendre quelques-unes, on va en profiter histoire de dire que bah on mine assez vite avec, donc profitons-en. Ça, ça nous donne un minecart, donc il nous faut des rails, donc ça c'est de la merde, donc ça on a déjà testé. Ça, ça nous donne des fences, les fences, hop, qui nous donnent, ok les gars, on a des potions. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais jeter ces haches, qui c'est de la merde. Je vais me faire des sticks et me faire une hache, hop, en or. La hache en or. Du coup, on a dit que c'était quoi qui donnait les fences? Non, c'est pas ça, c'est ceux-là. Ah, c'est celle-là. Ok, on va se faire deux alambics. Profitons-en quand t'as compris comment ça marche. Après, l'avantage, c'est que indirectement, moi, je connais le fonctionnement de tout ça. Parce que, comme moi, j'ai fait... Oh, ça, on n'a peut-être pas testé, il me semble. Ça donne des nénuphars. Nénuphars qu'on peut aller tester sur l'eau. Excellent. Je sais que, voilà, il faut chercher un petit peu les trucs comme ça et on arrive à trouver des trucs assez intéressants en soi. Oh, la canne à sucre. La canne à sucre, ça, c'est intéressant. Ok, ça nous donne ça, qui nous donne ça. C'est une fin de boucle, malheureusement. Ça, c'est quoi? Ces escaliers en spruce. Escalier en spruce, je crois qu'on n'a pas testé encore. Hop, ça donne de la TNT, les gars. Alors, voyons voir la TNT, qu'est-ce que ça donne? Ça donne du poulet cuit. Ok, très bien. En vrai, on peut se fight à la TNT. Genre, si on trouve masse TNT, en vrai, on peut trop faire un truc trop bien. Ça, ça donnait quoi, déjà? J'ai oublié. J'oublie un peu ce que donnent les trucs. Ouais, c'était ça. Hop. Ça, ça donne de la terre, donc c'est de la merde. En vrai, c'est, ça nous permet de farmer des blocs. Après, ça reste un avantage. Non, moi, le lapin, il donne rien. Je crois que le lapin donne rien, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Alors là, il y avait cette fleur que je n'ai pas testée. Cette fleur qui donne... Oh, ça. Ok, ça nous donne du vert, et du coup, la boucle est terminée. Extraordinaire. Mais là, en vrai, il y a masse fleurs. Les fleurs, l'avantage, c'est que c'est tellement de trucs différents qui peuvent te donner tellement de trucs différents. C'est trop bien. Vous imaginez, il nous manque un item à trouver pour pouvoir faire des potions. Et ça, c'est en vrai, c'est trop, trop bien. C'est trop la vie. Ah, celle-là, je ne les ai pas testées. Ok, ça donne des rails. Des rails qui nous donnent des seaux de lave. En soi, le seau de lave, regardez, en soi, tu le vides et tu te fais un seau d'eau, en fait. L'un dans l'autre, c'est pas plus mal, hein. Ça, on a testé ou pas? Je crois pas. Quartz block. Nice. Nice. Du coup, je sais plus laquelle c'était. C'était une toute petite... Ah, c'est celle-là, là. Ça qui nous donne des épées en fer tout le temps. Donc, on va en garder. Eh, hey, on est pas mal, hein. On est à combien de l'épisode? C'est bientôt la fin de l'épisode. Waouh. Ça, on a testé. Un petit map, ça, on a testé. Le mouton noir, on avait pu voir que c'était pas terrible. Là, il y a une petite entrée de grotte. Ce qu'on va faire, c'est qu'au prochain épisode, on ira en grotte. Là, on a fait quand même pas mal de blocs de l'extérieur. L'avantage, c'est qu'en 1.8, il n'y a pas plus autant de choses qu'en 1.14 ou quoi en termes de blocs. Donc, en soi, c'est pas mal. Bah, baladons-nous encore un peu, voir si on a des blocs que nous avons pas fait. Alors, regardez ce qu'on vient de trouver. Ça donne des fioles, mesdames et messieurs. Donc, les fioles à garder. Les fioles à garder, parce que si on souhaite faire les potions, en soi, on n'est pas loin d'avoir déjà des premières potions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour l'instant, en vrai, on est pas trop mal. Hein. On n'est pas trop mal lotis. En tout cas, j'espère que le concept vous plaît. Hein. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, autant sur mon point de vue que sur les autres points de vue, mesdames et messieurs. Mais voilà, en vrai, moi, j'adore le concept. En fait, il y a tout un truc de recherche. En soi, on peut prendre un cheval. Ils n'ont pas interdit les chevaux, donc moi, je vais pas me gêner. Alors, par contre, oui, c'est la porte que j'ai pas testé. Faut que je teste la spruce d'or. Ah ouais, mais c'est ça aussi que j'ai pas pensé, les crafts. Alors ça, en soi, ça ne sert à rien. Mais là, on peut crafter ça. Ça, on peut crafter ça. Donc, voyons voir ce que ça nous donne. Un armor stand. Hop. Ok, qui nous donne un tableau. Tableau qui nous donne ça. Super. Il y a tous les voilà, tous les trucs qu'on peut crafter, il faut penser à les crafter. Et voilà, ça va nous donner ça. Ça, si tu le casses, ça va te donner autre chose. Ah oui, alors là, le random est cool avec nous. MDR, on trouve de la blaze rod et tout. Bon, après, on a déjà de la blaze rod et on peut avoir de la blaze powder, mais est-ce que ça nous intéresse? Non. Très clairement, on a déjà des blaze rod, on a déjà les alambics, donc il nous manquerait juste... je perds mes mots, mais vous m'avez compris. Ah, là, squelette. Hop. Oh, l'armure en fer. Ça donne des torses en fer, ça. Extraordinaire. Hop, extraordinaire. Ah, enfin des trucs intéressants.
Bah écoutez, on va arriver à la fin de l'épisode. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Je pense qu'à l'épisode prochain, on va aller voir un petit peu ce qui se passe en cave, hein, qu'on se le dise, parce qu'en cave, il peut y avoir des choses, mesdames et messieurs, intéressantes au niveau des minerais. Donc on ne sait pas sur quoi on va pouvoir tomber. Ah bah là, regardez, déjà un nouveau truc ici qui nous donne... Ah, alors je sais pas si la maille, c'est mieux que le gold, mais je pense que oui. Hein. Si je ne m'abuse, je pense que la maille, c'est mieux que le gold. Bah, déjà, c'est plus résistant. Hein. Voilà, si je ne sais plus, je ne sais plus. Donc, mesdames et messieurs, en tout cas, nous, on se retrouve dans 2 jours pour le prochain épisode, hein, tous les 2 jours à 17h, bien sûr, en espérant le PVP est activé au prochain épisode. Donc, je ne sais pas, je ne dis rien, mais il peut se passer des choses. On va peut-être être un peu gentleman et pas taper de suite le premier venu, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Allez, des bisous, à la prochaine. Ciao, bye bye, hein.